Le CAM décide de maintenir son niveau 3. Le maintien du niveau 3 signifie que la menace est possible et est vraisemblable. Maintien du niveau 3, c'est ce qu'a décidé l'OCAM malgré les événements d'hier et la présence de deux suspects, toujours dans la nature. Convoqués à 14h au 16 rue de la Loi, les membres du Conseil national de sécurité se montraient rassurants. L'OCAM prend ses décisions de manière indépendante. Elle en informe ensuite le gouvernement. On a des indications depuis pas mal de temps sur le fait qu'un attentat pourrait être imminent à Bruxelles comme dans l'ensemble de la Belgique, mais pas particulièrement sur les événements d'hier. Les événements d'hier, manifestement, c'est une perquisition dans le cours de laquelle on ne s'attendait pas à avoir ce type de réaction. Le niveau 3 reste tout de même un niveau très élevé. Pour le Conseil national de sécurité, ce niveau d'alerte justifie de maintenir un important dispositif policier et militaire dans les lieux publics. Nous encourageons chacun à rester calme, à garder son sang-froid. Tout est mis en œuvre avec les services de sécurité, avec mes collègues en charge des questions de justice ou de sécurité, pour que l'on puisse au fur et à mesure prendre les décisions qui s'imposent. Nous suivons la situation de manière permanente. Le gouvernement rappelle que les perquisitions d'hier s'inscrivent dans ce contexte de menace terroriste de niveau 3. Le Premier ministre a tenu à saluer le travail des forces de l'ordre.